Haïti Fresham, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. M'espère en forme, Nap Kembe. Jodi, c'est mardi, 1er octobre 2024. Nous comptons rentrer la caillou, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir pour nous informer. Il y a un nouveau mois qui a vini, bien évidemment, avec de nouveaux défis, qui a vini avec de nouvelles perspectives. Et je nous toujours aimé faire, nous toujours, à chaque commencement mois et non année, hein, pour nous prendre un petit temps, pour nous voir en pile énergie positive, pour nous, en pile lumière. Et tout bon bagay yo, c'est ça n'ap souhaité ou, pendant n'ap continuer exhorter à la prudence, veye kote wap met pied ou, précaution pa kapon, youn veye sou lot, youn protéger lot, nan n'importe situation trouvin. Quelques parmi grand point kap domine actualité yo, bataille pété yon lot fois entre conseil présidentiel transition ak gouvernement premier ministre Gary Conille. Après visite délégation haïtienne nan New York côté yo t'a participé nan Assemblée générale Nations Unies, eh bien retour équipe gouvernementale à tout conseiller président yo, c'est occasion nan conseil des ministres qui organisé hier lundi 30 septembre pour clôturer exercice fiscal 2023-2024 là. Eh bien escombrite l'obeille lobo t'a pral pété entre gouvernement ak conseiller président yo, pa kache dire en pile gros maudit yo humilié premier ministre Gary Conille ak tout ministre affaires étrangères la madame Dominique Dupuis. Et nan moment n'a parlé a gagné plusieurs ambassadeurs haïtiens qui ont même recevoir convocation immédiate pour venir répondre quelques petites questions. Et ministre affaires étrangères là madame Dominique Dupuis, yo sou route pour yo ta remplacer suite à incident ça. Nous pral ba ou tout détail, tout ça nous joine comme information dans dossier si là. Dans question politique dans pays an, bagay yo pas toujours comme ça. Oui, c'est vrai, gen mauvais là on ka fait politique. Oui, c'est vrai, gen oh, les chats des pieds mimimia qui vient faire politique pour enrichir. Mais gen moun qui pas peur, gen moun qui kon camper prend courage à deux bras pour garder international là, pour garder acteurs internationaux yo et pour dire yo Haïti pas savane, Haïti pas derrière la caillou, yo supposé conformer. Nous portons vidéo nom, nous va partager là avec vous. C'est ancien président Leslie François Maniga qui lui-même qui t'a parlé à pays et m'pa caché dit nous et 25 ans après eh bien nous pral constater dans question politique pas bon ici pas vraiment gagné grand chose qui changer pour m'pa dit pas rien du tout qui changer. Nous gagné secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui lui-même li trace son exemple. Dans ça qui est pour avec dossier Haïti, franchement, et nous portons une intervention pour vous après au fin de regarder et déclaration secrétaire général Nations Unies. Ou pral dit ton green bagay. Est-ce que véritablement est-ce que c'est vrai États-Unis qui a marché à bol li a cuil tout partout mandé l'autre pays aider Haïti, chercher comme pour force multinationale. Est-ce que États-Unis vraiment yon bon intérêt pour insécurité à pour le résoudre en Haïti. Antonio Guterres, il pral parle, elle tout profite et à travers déclaration li pour lancer un appel by tout acteur international yo qui yon même vraiment qui toujours qu'on a dit yon ses amis Haïti, et bien sous ses amis Haïti, Haïti besoin nous kounye ya pour yon fond bagay pour lui. Donc, c'est autant de formations nous pral gagner pour nous partager avec vous. Dans la vidéo, déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification comme ça vous prêter connecté avec nous, pas rater aucun dans vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. J'en ai annoncé depuis commencement mois septembre côté dans émission mon éditorial avec Yannick, nous sous 5e projet rentrer des classes nous organiser et bien année ça encore. Nous t'étions mal fêti, côté nous t'étions supporté et élèves dans l'école nationale mal fêti et également élèves lycée mal fêti qui a gagné pour commencer jodi en même nouvelle année académique 2024-2025 là côté Timoun yo reprend chimé l'école. Nous t'es programmé pour nous distribuer 100 kits scolaires dans kits scolaires ça yo
qui gagne et un bag, une valise, qui gagne un cahier entre 6 à 10 cahiers. Gagne une boîte géométrie, gagne un crayon, gagne une plume, gagne un savon, gagne un déodorant. Et nous te pensons spécialement avec Timounio Cap retourner l'école. Nous te gagne des kits spéciales pour élèves lycée Malfetio qui depuis le commencement canal Malfetio en novembre 2023, yo te sous canal là, nous connaissons élèves yo. Eh bien, nous t'ai apprécié effort sacrificio pendant tout travail qui t'a fait pour fouiller canal là. Eh bien, nous t'ai pensé avec yo tout. Côté nous t'ai remettre Agronome Cosmos, yon groupe kit, yon équipe bagay pour te distribuer bay élèves lycée Malfetio. N'ap gagne détail yo dans fin vidéo. Nous gagne hier dans Conseil Sécurité Nations Unies. Gen sanction qui prend et contre ancien député Victor Profane. Victor Profane en pile moun la Tibonite konnen li comme moun qui participe nan créer gang grand griffe gang Zavien parce que pour Victor Profane de gen élection Victor Profane eh bien tal cherche monsieur sa yo nan trou kote yo te ya li tal mete zam nan men yo pou te rive gen élection alors que moun la Tibonite moun ti rivière yo konnen véritablement Victor Profane son moun ki te gen popularité mais Victor Profane te comprendre que en face li te gen l'autre candidat ki yo même tout est susceptible pou gen élection et mais Victor Profane il t'a pral choisi gen élection et sous sang sous zam etc. Donc hier Conseil Sécurité Nations Unies yo sanctionné Victor Profane yo sanctionné également Luxon Elan et c'est kounye a responsabilité c'est job autorité dans pays d'Haïti c'est job DCPJ pour faire suivi yo et pour mettre hors d'état de nuire vagabond ça qui lui-même et gâter la Tibonite qui pourri senti la Tibonite parce que il était besoin chef il était besoin gain pouvoir et même Victor Profane ça n'a pas gardé là journée jodi an li kembe douane nan an gorge li kembe Port-au-Prince nan gorge côté li gen monopole boisson alcoolisée c'est li k'a fait rentrer Nessi c'est li k'a fait rentrer Black Label c'est li k'a fait rentrer des séries de grog du Jean Mounoré là des séries de alcool et des séries de whisky sans pas payer la douane yon yota sans pas payer la douane on goûte comme si c'est bien maman bien papal et bien et non sans ça et t'es déjà les États-Unis qui sanctionnent malgré gen en pile accusation qui pesait sous Dol Paboy ici comme Victor Profane li son gros bras politique elle gen en pile l'argent la fait dans contrebande dans douane nan nèg yo gen l'argent yo ka touyer yo ka racher yo ka kidnapper yo ka disparaître yo ka éliminer et bien li contrôler pouvoir li contrôler l'état li contrôler justice li contrôler la police donc yo pas jamais rivé sous lui. Eh bien, il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un signal clé par les DCPJ. Avec le rapport qui sorti sous Victor Profane, eh bien, les Nations Unies font job là pour les DCPJ. Ils font job là pour la police ici. Ils font job là pour la justice ici. Eh bien, kounye ya, pas bon la caille pas nous. Si vraiment, ils veulent résoudre la question de sécurité, ils veulent résoudre la question de gang, il faut qu'ils commencent à arriver sous boss, sous patron, sous nexa qui crée gang, sous nexa qui baille gang, qui crée gang, qui a proximité avec bandits, qui empêche haïtiens dans le pays, qui empêche les gens vivre dans propre pays. Donc, l'important, au niveau de la DCPJ, au niveau de l'autre acteur qui concerne, au ministre de justice, mais quand on circule, souvent font bagay sérieux. Donc, dossier ça, t'as supposé alerter nous pour nous comprendre nécessité, pour nous tracer un exemple sous bandi ak cravate. Ce n'est pas seulement bandi ak sapatio qui problème, non. Mais là, nous avons des nègres, là, nous avons des bandi habillés, nous n'avons pas fait rien contre nous-mêmes. Son mauvais exemple, nous voyons. Nous voyons pour nous montrer que l'État faible, justice payant, l'inexistant, et pour nous renforcer. Pour nous renforcer position bandi yo qui peut-être pral dit tête yo si on pas arrivé tout dénoncer moun qui créé nous yo pas fait nous rien donc nous même faut nous renforcer nous parce que nèg yo pral dit c'est abus à faire yo les a vinn attaquer yo donc nous pas ka konn patron gang yo a circuler libre yo dans toute réunion officielle rencontre officielle yo même gen policiers cap sécuriser yo et puis nous connaît en réalité qui est yo l'autre nation a sanctionné yo Nations Unies a sanctionné et puis nous même babola kay pa nous bay nèg yo à l'aise yo
li pas possible. Et vraiment fòk gouvernement Gary Conille la fòk ministre justice sa penché sou dossier ça parce que département la Tibonite moun yo pa katann, moun ti rivière pa katann, moun sa vyen pa katann, moun mi an kou pa katann parce que bagay yo yo compliqué. Donc n'avanse. Nous gagnons dossier haïtien qui pas suspendre faire parler de lui. Et ceci nous gagne secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui lui-même lui t'a expliqué comment lui comprendre dossier haïtien. Comment lui ouais comment lui ouais lui-même gens yo a traité gens international là gens ensemble de pays a traité Haïti en parent pauvre. Comment gagne une certaine insouciance moun yo pas soucieux le dossier Haïti moun yo pas care de moun ka mouri ou ap gade nan rapport ki sorti pa bon côté expert nan Nations Unies sur question droit moun Volker Türk li dou gagne plus que 3500 moun ki perdu la vie nan 6 mois seulement. OK, nan 6 mois gagne plus que 3500 chrétiens vivants nan pays d'Haïti ki perdu la vie en babal gang en babal bandi. Et puis secrétaire général des Nations Unies dit pas comprendre comment fait y a traité Haïti en parent pauvre. Dans ce ça, il était intervenu et il y a un extrait dans intervention li important pour nous le partager ensemble avec vous. On entendait et regardez ensemble. Pour moi, c'est absolument incompréhensible quand on me dit qu'il n'y a pas d'argent. Bon, s'il y a une banque très proche d'ici qui est en train d'être en risque de faillite, il y aura probablement une mobilisation de milliards et milliards pour sauver la banque. Quand on décrit les guerres et les armes dont on a parlé pendant cette conférence de presse, il y a des milliards et des milliards toujours disponibles pour ce qu'il faut. Et pour une petite opération en Haïti, où il nous faut quelques centaines de millions de dollars, pour garantir la présence de cette opération, il n'y a pas d'argent. Ça, je n'accepte pas. Bon, et après on dit, comme il n'y a pas d'argent, bon, mettons une opération de maintien de la paix, parce que là, il y a des contributions obligatoires. Bon, je dois vous dire, pour moi, il y a une question morale. Si le Conseil de sécurité et le gouvernement haïtien sont d'accord que parce qu'il n'y a pas aucune autre solution, nous sommes prêts à travailler d'accord avec les instructions du Conseil de sécurité. Mais je dois dire que c'est un peu difficile de comprendre qu'on puisse discuter une opération de maintien de la paix là où il n'y a pas de paix à maintenir, seulement parce que apparemment c'est pas possible de trouver l'argent nécessaire pour une des situations humanitaire plus désastreuse dans le monde. Pour moi. Voilà, nous entendons Antonio Guterres qui lui-même lui a parlé. OK? Il y a bail ensemble de détails sur situation paysan, sous Jean Bagayo paraît compliqué, sous Jean Bagayo paraît critique et il a demandé pour gagner yon intervention rapide qui fait par bon côté acteurs internationaux yo côté l'autre pays yo qui yo même ta supposé a garder comment yo ka aider Haïti a mettre en pressement parce que c'est moun ka mouri la vie haïtien yo compte tout la vie citoyen haïtien yo important yo compte tout mais li pa wè ça li pa wè ça tout moun a chou la ko yo tout moun a pralé bouda yo tout moun a fait bac yo pa gen corbe etc. Et li pre exemple si gon banque là qui paraît pour faire faillite, banque internationale qui paraît pour faire faillite, a bien mobilisation fond tout partout pour venir des banques ça redresser et problème économique que le gagne. Gardez qui quantité l'argent qui a bail en Ukraine. Gardez plusieurs autres fonds que international là yo même yo paraît pour mettre gros l'argent. M'a regardé récemment en Belgique et te gagné un représentant Union européenne yo qui yo même yo déclaré yo paré pour yo bay Ukraine des millions d'euros pour m'blier chiffre mais son paquet l'argent yo paré pour yo bay et l'argent ça c'est l'argent de série de moun yo sanctionné
des séries de Russes sanctionnés qui gagnent cob dans banque qui gagnent cob et qui te gagnent gros placement gros investissement dans banque dans pays Belgique et bien yo saisi cob za yo Union européenne saisi l'argent sa yo et yo pral l'argent sa yo et bénéficio pour yo bay Volodymyr Zelensky pour yo bay Ukraine pour Ukraine acheter équipement matériel etc. Mais gros paquet nèg la yo sanctionné oui États-Unis sanctionné Canada sanctionné pour qui ça yo pas dit tout pour qui ça pas gagne des suivis qui fait pas bon côté dirigeant nou yo pour dire que l'agence sa yo que ancien président ancien sénateur ancien ministre ancien premier ministre gagne des pays en dans banque la caillou comme yo sous sanction pral gagne des procédures qui mettait en place pour l'agence sa yo pour yo et pour yo bay l'état haïtien. Vous comprenez? Pour yon reverser l'agence avec l'État haïtien prend l'agence ça, pas qu'on est, mettez-le pour la police, mettez-le pour l'armée, pour gagner l'argent qui répond avec besoin de sécurité, peuple haïtien. Pour qui ça yon pas appliquer même formule là? Alors que nous connaissons ancien président, nous connaissons des séries d'autorités là, qui te volé l'argent pays, al serré dans la banque suisse, al serré dans la banque américaine, al acheté gros caille, gros château, gros palais, gros villa, gros mansion. Dans pays États-Unis dans l'autre pays alors que c'est l'argent peuple haïtien c'est l'argent payant mais pour qui ça pas gagner même enthousiasme ça pas gagner même engouement ça pour Haïti là exemple bien tombé oui Union européenne gè des séries de gros dignitaires russes sanctionnés yo prend l'argent yo te gagne dans banque yo reverser comme ça yo bay ukrainien yo bay ukraini pour Ukraine mener bataille contre la Russie mener bataille et contre agresseur russe et bien journée jodi an dirigeant ça yo politicien ça yo homme d'état ça yo te voler l'argent pays d'Haïti al serré dans banque américaine dans banque canadienne dans banque suisse etc etc pour qui ça comme ça pas retourner vin utile pays an vin utile population pour mettre sécurité non. C'est pas ça qui intéresse yo. Mais même Antonio Gutierrez ça, compatriote haïtien frère somme, c'est pas seul lui même qui comprend jouer coquin madame qu'a fait là parce que pas oublier. Même États-Unis qui dit yo a aidé nous, yo veut aider nous etc. Gagner des sénateurs et députés démocrates dans même camp démocrate là qui te voyer des correspondances. Bye. Maison Blanche, Homeland Security, département de la justice américaine, yo voye bay plusieurs l'autre moun qui impliqué et en direction commerce, ministre commerce et dans pays États-Unis. Parce que yo dit États-Unis, gros bagay ki clair yo dit États-Unis et nous pral comprendre bien. Si États-Unis vle résoudre question insécurité, au lieu États-Unis a passé tout côté avec un bol blanc ou assiette, dit mettons petit bagage un petit kichoy pour Haïti. L'état préférable 600 millions de dollars ça États-Unis dit au besoin chaque année a. Préférer États-Unis s'il voulait mettre sécurité, il voulait ba Haïti en coup. Mais j'ai question zamak bal kap sot nan pays ou rentrer en Haïti. Non 600 millions de dollars ça au besoin chaque année pour force multinationale, garde combien te ka pran pito là dans li pour gérer question trafic et illégal trafic illicite zam bal kap sorti États-Unis rentre en Haïti ou bien kap sorti États-Unis rentre République Dominicaine rive Haïti pour aller alimenter gang pour aller alimenter bandi parce que bagay la simple on a ki gon zam nan mel si zam sa pa gen bal zam sa pa ka utili yon merde zam sa pa ka fè anyen son bout fè la pye parce que en Haïti est-ce que en Haïti là si c'est pas marché noir nèg a vann zam nèg a vann bal est-ce qu'en Haïti là gen bal gen zam que nous fait d'ailleurs constitution reconnaît c'est illicite c'est illégal tout bagay, toute entreprise va monter qui gon objet illicite ou pas joine ministère commerce qui a approuvé ou pas joine ministère commerce qui a validé donc bagay ça son leur pour nous mettre dans tête nous gagner zam ak bal ka fait en Haïti son leur OK. Mais kounye ya, comme Zamza yo, c'est États-Unis, rapport Nations Unies sorti, 90% pour m'a dit tout c'est États-Unis yo sorti, gros bagay États-Unis ka fè. Bloke bagay lan depi an lè. Bloke zam avec bal lan depi an lè.
C'est plus gros coûte mais c'est plus gros bagaille que vous t'ai fait pour Haïti, c'est plus gros coûte mais que vous t'ai bailler la police acclamé parce que là ça automatiquement bandi ou pas joindre balle. Zam yo à la bébé, automatiquement bandi yo, yo pa gen accès pour yo joindre même volume zam, même volume munition, et eh bien yo font poser et le ça c'est plus avantage que la police a gagné sur yo. En 2004 yo te ba nou minusta, mais c'est pas même réalité en 20 ans après. Joune jodi an, puissance de feu bandi yo, calibre bandi yo a utilisé zam ki nan men yo, son bagay tête chargé. Alliance que nèg yo fait joune jodi an, son bagay tête chargé. Bataille que la police a mené contre bandits là, c'est ça qui fait nèg yo vinn plus intelligent, vinn gen plus tactique, plus stratégie. Vivre ensemble, la police mené une c'est tout li mené. Et pourtant en 2004, t'es gen gang qui t'a bataille gang, même le ministre t'es là, était toujours t'a bataille entre yo. Donc ministre des fois, yo vinn tirer et yo vinn jouer un avantage dans ça parce que si yo pas ka son alliance, ministre pas faibli toutes mes journées aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est pas même paramètre yo, c'est pas même réalité a. Et nous ka constater qui ça qui fait hier notre conseil sécurité des Nations Unies, yo pas même sous le question transformation force multinationale. Pour qui ça? Parce que depuis en haut j'aime toujours aimé dire la Russie a la Chine tout yeti pour là depuis dans jeu a. Depuis le draft résolution a circulé dans Conseil sécurité a, la Russie a la Chine yo pas même recevoir, yo tout ballon fait de non recevoir. Ben ils sont pas même besoin de discuter, pas même mettre dans l'ordre du jour. Pas fourrer dans l'ordre du jour là parce que nous pas gain temps pour ça et puis c'est fini. Yo contenté yo à l'unanimité, yo renouvelé mandat force multinationale là, il n'est pas question de transformation. Donc c'est là nous. Cependant en Haïti, nous avons qui bataille commissaire Muscadé lui-même, lui toujours a mené contre nèg exam, contre bandi. Et ça pas empêché que Muscadé lui ca toujours et gagner un comportement qui susceptible de débat. Lui ca gagner un comportement et tel dit le remène et tel pas d'accord et tel d'accord et tel pas d'accord. Mais au final bataille Muscadé a mené pour Miragouane, a mené pour Niplan. Son bataille côté d'où Niplan doit être cimetière pour bandit, dépousser bandit ou pas doit mettre pion dans Nip. Gen moun ki nan dernier temps sa yo qui fait qu'on est Muscadé touye des proches pour yo, qui pas rien pour avec gang, qui pas rien pour avec bandit. Et nan sa sa gen RNDDH Pierre Espérance qui pas jamais rater occasion pour et tacler pour target Muscadé parce que à plusieurs reprises trois et ministres de la justice yo écrit voyez correspondance pour demander révocation et arrestation Muscadé. Yo rentré international là-dedans li, yo rentré organisation qui défend droit moun dans international là et dans question commissaire Muscadé, il y a plainte internationale qui porte contre commissaire Muscadé suivi a fait par bon côté RNDDH. Et bien hier dernier coup de bloc par Chaviré Vazan, eh bien c'est le Muscadé le stoppé présumé chef et kidnappeur présumé bandit et qui t'a porté nom Adler Ramolien alias Dédé Morelé. Il y a monde qui dit Dédé commissaire Aldou c'est Morelé le relé. Eh bien, bagay sal, ta pral vraiment indiqué et RNDDH et mandé on l'autre fois que gagné et disposition qui prend pour mettre un petit glo dans divin commissaire Muscadé. Nous pral permettre tout gagné en détail intervention Marie-Rose Auguste du Sénat et qui lui-même qui t'a baillé ensemble de détails sous et intervention commissaire Muscadé nan jou ki saute passé yo la. On va regarder et tendre ensemble. Cas exécution sommaire sa yo que le commissaire du gouvernement Muscadé a fait a une idée qui est toujours positionnelle. Pour nous-mêmes nous toujours dit que clair, il y a un commissaire gouvernement place au c'est en dans tribunal la courrier. Ou supposé mener et nous t'a dit toutes les procédures là au nom de la vindicte publique. Donc ça veut dire en réalité ou supposé en dans tribunal là ou a demandé au juge la parole mettez nous t'a dit des accusations sous tapia et ou soutenir accusation et tout. Ça veut dire l'éclair qui nous-mêmes essaie de c'est à ça que nous appartenons à au commissaire du gouvernement. Nous gagnons jeudi à magistrat Muscadé qui lui-même lui préférait
gagne zami nan menmi li met li accompagné de tout un groupe de monde qui gagne zam nan men yo tout et yo tout pas fait partie de institution policière là et yo érigé yo en des véritables justiciers. Maintenant je ne jodi hein, en fait au-delà de dernière exécution ça côté que nous tendez qui gens que même pas même qu'à expliquer qui raison que il t'a tué et jeune garçon ça au-delà de dernière exécution ça nous même nous pensons que en fait c'est tout comportement magistrat qui est questionnable. D'ailleurs dans ce sens tout RNDDH à plusieurs reprises adressé des correspondances à ministres justiciaux différents ministres justiciaux au moins trois. Là on a parlé par exemple de ministre Dorsey. Nous avons adressé correspondance, nous avons adressé correspondance tout à ministre et prophète, et même Jean-Tour, nous avons adressé dernièrement correspondance à ministre Hercule pour nous demander de décider sur le comportement magistrat. Maintenant, c'est pas yon. C'est certainement dommage pour nous qui mourir, mais pour nous-mêmes, au niveau du RNDDH, écoutez, nous pas saisi, parce que nous toujours dit, depuis nous d'accord que il y a un monde qui a un droit à la vie. A doit l'homme mort sous monde à n'importe qui moment et eh bien l'a fini par tuer des monde par exemple que et il pas même capable même raison qu'on a expliqué qui d'ailleurs passe pas ou pas kakembe même raison qu'on a expliqué qui pour qui ça le tuer l'autre monde non seulement même raison ça pas kakembe yo mais pour nous même tout c'est pas une surprise tout pour qui ça n'a pas rappelé pour tout le monde que dans constitution il clairement dit que en aucun cas peine de mort pas applicable. Et de toute façon, ça muscade à faire, il n'y a pas peine de mort. Parce que si c'était peine de mort, normalement, Mounsa t'a supposé juger, il t'a supposé condamner, il t'a supposé juger par un tribunal qui tablit déjà, qui déjà dit qui ça y reproche lui, faut qu'il gagne, faut qu'il au courant de ça y reproche lui pour lui même pour organiser défense lui, faut qu'il y ait possibilité pour le faire appel et c'est alors que nous t'a capable dit que et t'a gagné peine de mort. Ça magistrat Muscadet a fait c'est des cas d'exécution sommaire de la pire des manières parce que par exemple nous songe Jean que l'était exécuté Ougan ça devant yon machine qui plein moun parmi yo des petits moun te dans machine là te gen 19 moun dans machine là et li décide l nan fin année dernière là li mande Ougan descend machine là dit c'est ou même qui Ougan tel ou a vive le Ougan et cetera et cetera devant tout moun li dit virer là ouais li tuer donc ça li inacceptable et li clair que une société qui d'accord ça c'est une société en fait qui lui même a bailli un monde trop pouvoir sur lui parce que je ne jodi a li gagne droit de vie et de mort et population nous tant qu'a dit que nous comprenons dans la mesure où population lui même li fatigué avec question insécurité hein donc il pensait que c'est meilleure façon hein, pour nous on paix à question insécurité hein? Mais nous même nous dit que non nous gagne appareil justice là qui là et il dit que les monde li commet un acte selon ça la loi dit faut que yo arrêter moun nan faut que yo juger moun nan dans les conditions qui respectent garantie la justice li et faut que yo condamne li pour ça que yo reproché li donc nous pensons que magistrat Muscadé li même li l'heure pour li suspendre avec exécution sommaire li yo pour li et en tout cas et déjà commencer par répondre de ça de exécution sommaire li en attendant que et ministère la justice en même il décide surtout. Bon, on nous fait un petit capé là, parce que bon, on comprend. Et Madame du Sénat même, non. Madame du Sénat dit que la justice qui là, qui bon, hein? Qui compte la justice ça y est? Qui compte la justice ça y est? Ça qui arrive que nous pas fin d'accord avec toute pratique commissaire Muscadet. Et surtout, le commissaire là, le font bagay, li mette sous réseau, etc. etc. Et nous connaissons des fois tout commissaire là, li a fouillé propre tout. Vous comprenez? Gede bagay qui passe, si on mounre l'olman de interview, l'olman de pouvin parler sous ça, on va parler sous ça. Parce que plus wap expose, c'est plus wap bay, wap montre des failles, wap montre moun qui kote pour l'attaquer. Vous comprenez? Parce que ennemi adversaire la veye. Donc, mais là, mon RNDDH dit la justice qui est là. Qui justice? Maintenant, la justice gagne 3 ans là. Ou 3 ans, elle gagne depuis que gang yote prend lui sous Bissot de ya. Li pa jom ouvert, tout rete territoire perdu. On va comprendre de qui justice. On va comprendre de qui justice RNDDH a parlé, mais on dit qu'on justice qui fonctionnelle. Combien fois gagne assise criminelle qui fait?
Nous avons aimé connaître combien de fois il y a une assise criminelle qui fait, combien de fois il y a condamné des prévenus, combien de fois il y a libéré des prévenus. Comment justice ça marche? Quelle justice? Il y a justice et puis il y a une grave accusation sous plusieurs personnalités politiques là, dans le pays. Vous comprenez? Et puis il n'y a pas jamais poursuivi, il n'y a pas jamais jugé, il n'y a pas jamais arrêté, il n'y a pas jamais condamné. Pas de justice. Il a assassiné un président. Dossier assassinat président, il tourne trois le pied, il tourne torche en pied. Et puis il a parlé de justice. M'bokotande ni Pierre Espérance et NDDH, yo mandé le plus rapidement possible pour dossier journal dans affaire outli, pour moun qui juge et culpé ou pour ta condamné, etc. On pas attendre ça non. Adje, en tout cas, en Haïti ou gen pour tout bagay, ou gen pour tande tout bagay. Justice, droit moun. Bien, n'avance, nous gagnons yon intervention, nous pral partager avec vous. Ça, son sérum nye, li suppose revitalize ou même qui pas trop espoir pour pays, ou même qui pas nécessité pour continuer à engager dans la bataille pour pays, ou gen espoir, bon raison en plus. Nous gagnons ancien président et feu Leslie François Maniga qui te fait une intervention. Et intervention ça c'est une occasion en plus pour nous voir et origine problème yo pour nous voir qui ça qui caillé en perspective journée aujourd'hui pour nous continuer garder qui ça défi yo et puis pour nous river entendre nous pour nous sortir tête nous. Nous pral regarder ensemble avec moi yon ti bat bouche ancien président te fait mais qui est extrêmement important qui a utile ou même qui a utile chaque grand haïtien qui conséquent qui conscient que problème haïtien c'est nous pour résoudre et c'est ensemble pour nous faire. Nous allons regarder et tendre ensemble. Est-ce que l'haïtien d'aujourd'hui face à la crise d'aujourd'hui peut penser et vouloir faire? Car ce qui est important, ce n'est pas seulement ce qu'on pense, mais ce qu'on fait ou ce qu'on doit faire. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas une affaire de leader politique seulement. Ils sont des leaders, ils doivent avoir leur sens de leur responsabilité, indiquer le chemin. Mais ce qui est important dans une bataille, ce n'est pas seulement le plan de bataille et le général, ce sont les troupes qui se battent. C'est le pays entier. Que fait le pays? Où s'engage le pays? Quelle est la responsabilité du pays? Quel point on est arrivé? On est arrivé chez nous au point, tout le monde le sait, je dis une vérité banale, que les deux tiers de notre budget national dépendent de l'aide extérieure. Comment voulez-vous avoir un État qui remplit ses fonctions, qui sert l'intérêt national à l'égard de sa population, mais aussi à l'égard de l'étranger, quand pour vivre comme État, payer ses fonctionnaires, il faut l'aide étrangère. Mais à ce moment-là, on cesse d'exister en tant qu'État. Mais c'est ce que je suis en train de démontrer précisément. Il y a une déliquescence de l'État ici pour des raisons spéciales. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas ailleurs. On ne trouve pas. Il faudrait faire, bien sûr, la revue. Mais on ne trouve pas facilement des pays qui dépendent à 65% de leur budget de la coopération internationale. La proportion est forte. 90% des investissements, c'est-à-dire pour le développement du pays. Je crois que c'est grave. Or, à la suite de cela, il y a en Haïti une crise d'autorité. Depuis la fin de la dictature duvalierienne, je ne dis pas la fin de la dictature tout court, non. Parce qu'après la dictature, c'est encore la dictature. Mais ce qui a quel type de dictature, alors? Ah, nous sommes aujourd'hui dans une situation de dictature objective. D'ailleurs, pas seulement objectif, active. Parce que, écoutez, regardez ce qui se passe. On ne veut pas bien voir les choses. Regardez ce qui se passe à l'égard des partis politiques. Mais c'est la dictature du pouvoir par rapport aux partis politiques. Ce qui s'est passé à Hesch, et que j'ai signalé déjà, et que malheureusement, le parti intéressé n'a pas dénoncé avec vigueur auprès de l'opinion publique. Mais il y a eu un commando qui a venu de Port-au-Prince et d'un milieu conseil, puisqu'il y avait des photos d'un candidat et il y avait des plaques d'immatriculation du palais national. Eh bien, le commando est venu et a fait un raid contre le local d'un parti politique à Hinch, le Pampra. Écoutez, c'est la dictature. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette semaine, précisément, que nous terminons? Il n'y a pas eu un raid contre une compagnie d'Internet? Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous auriez pu me dire, le juge de paix aurait pu aller avec l'huissier, faire son constat, poser les scellés, accompagné de la police ordinaire. Non! J'ai entendu à la radio et à la télévision, je l'ai entendu, que c'était des hommes du palais national qui sont venus accompagner le juge dans son acte d'arbitraire et de violence vis-à-vis de l'intérêt privé. Donc une affaire d'État. Nous avons là incontestablement les signes d'une dictature qui n'est plus seulement objective, mais qui est active. Et ça, c'est important de le souligner quand nous parlons de l'État d'Haïti. Il y a une crise d'autorité
Et cette crise d'autorité se manifeste comme naturellement, paradoxalement, par des actes de violence, par des actes de surviolence. Et puis enfin, soulignons-le, dans le cas d'Haïti, c'est pas seulement un hasard, c'est un fait voulu, c'est un fait délibéré. L'anarchie qui est appliquée en gabegie administrative. Pourquoi? Parce qu'il y a une conception de l'exercice d'autorité qui se fait en dehors des normes d'organisation, des normes de gestion. C'est l'anarcho-populisme. On dit... C'est le peuple. Quand c'est quand le peuple chef. Ah, le peuple a bon dos. Parce que le peuple aujourd'hui veut A, on dit on fait A, demain le peuple veut B, on dit on fait B, mais on prend le peuple comme prétexte. Il ne faut pas favoriser les bas instincts du peuple, parce que le peuple a des bas instincts, mais il faut favoriser les bons instincts, lui montrer par l'éducation, par l'exemple, par la conviction qu'il y a un meilleur chemin que celui vers lequel il tend spontanément dans ces circonstances. Non, on ne peut pas être un reste avec le peuple. Comprenez bien, il y a là l'anarcho-populisme est dangereux. Parce que l'anarcho-populisme s'écarte de la voie du bien public pour aller dans le domaine de la fantaisie et de du caprice du prince qui invoque comme prétexte la volonté populaire. Alors, ceci explique la déliquescence de l'État. Nous n'avons plus d'autorité de l'État. Le président disait qu'il faut restaurer l'autorité de l'État et c'est lui qui a donné le premier exemple de la mollesse totale, mollesse voulue, pourrianisme tactique. De manière à pouvoir faire passer ce qu'il veut au moment où il veut, puisqu'il n'y a plus de normes dans ce pays. Donc, déliquescence de l'État haïtien. Alors, professeur Maniga, vous l'aviez dit, et le budget national est financé à plus de 70-80%. Et alors, dans une telle proportion, quel est le poids de la communauté internationale et dans les affaires politiques du pays? On est toujours à recevoir des dictats de Washington ou d'autres... pays étrangers. Écoutez, je vais vous surprendre. L'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel, à nos dirigeants actuels. Ils sollicitent les décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comprenez bien, vous avez affaire, ce n'est pas seulement une démission. Ce n'est pas seulement comme on dit, un sous-sous. Non, non. Ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à l'ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la justice étranger. Comprenez-le bien, vous arrivez à un degré. Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne les voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du blanc, tout doit provenir du blanc. C'est le blanc qui a raison, même quand le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leurs bonnes intentions, il y a des réalités du pays auxquels ils doivent être introduits avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de l'haïtien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. Or, c'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi, quand on parle d'ingérence, j'entends des gens parler d'ingérence, des patriotes, je souris. Quand il n'y a même pas d'ingérence, les gens sont, c'est choual papa, non jade papa. Vous prenez bien, si vous avez une propriété clôturée et que l'animal d'autrui veut entrer chez vous, il va faire une infraction. Mais si vous n'avez pas de propriété clôturée, s'il n'y a rien, l'animal entre en pâturage sur le terrain vide qu'il constate. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons une absence de sens collectif. Une absence de sens de l'intérêt national. Donc ne venons pas nous plaindre après des étrangers. Mettez de l'ordre d'abord chez vous. Faites votre clôture. Mettez vos principes. Affirmez votre droit de propriété, même si ce droit de propriété doit être asservi à des conditions. Mais professeur Manig... On nous fait un petit copé là. Parce que je ne voulais pas nous tendre pour tendre. Je ne voulais pas nous tendre comme si Maniga bien parlé, reprenne. Président bien voyé monter puis nous seulement attendez. Nous voulons nous comprendre et si nous pas comprendre et si nous pas fin comprendre, il y a quelques petits bagailles, faut que moi ba nous détail, faut que moi camper pour me faire un petit commentaire sur yo. Journée aujourd'hui nous dans une situation côté que dirigeants nous yo nèg ka fait politique, yo créé une certaine dépendance de pays
vers l'international, que ce soit aide internationale, dans le budget, et ça, intervention Maniga Mela, j'ai intervention en 99, hein. 99, 2024 fait exactement 25 ans, 25 ans après, pour budget, nous toujours dépendons de l'international. Grande décision politique, nous toujours dépendons de l'international. Et question ingérence, on n'en parle même pas. Parce que nous, ouais, c'est Jean et Maniga Dilan, c'est choix le papa, non, jardin papa. C'est pas même nous-mêmes, c'est pas même Blanc qui rentre, c'est nous qui sollicitons. Pour qui ça me prend pour exemple simple? Non, commencement année, population, peuple a dit, yo pas capable avec Ariel, Guy Philippe Vini, par exemple, il vient avec question révolution. Là, moun yo comprenne que si yo quitte Guy Philippe, continue avec Elan, avec mouvement révolution, eh bien, pouvoir prendre dans mon groupe. Yo même yo pas join yo même yo pas dans pouvoir etc parce que yo pas rentré dans démarche Guy Philippe là et bien qui ça nous yo fait yo préféré entendre yo font un coup de guidon côté yo dit au lieu de quitter mouvement révolution Guy Philippe là passer pour Guy Philippe ta gain pouvoir on nous entend nous plutôt nous battions encore 3 avril et puis nous fait blanc nous montrer blanc nous chita ensemble et puis nous fait blanc vin comme arbitre nous fait blanc vini comme et moun ka vin mette l'autre dans des zones. Et c'est exactement ça yo fait. Ou ap gade jounen jodi an, même la Valas qui tap dénoncé Ariel, qui tap di Ariel comment ça se fait pour en transition ap mande force et force multinationale vin foule sol et cetera. Ou ap gade même jounen jodi an, même la Valas ça qui gen pouvoir nan men yo, qui nan conseil présidentiel transition et même Leslie Voltaire sa journée jodi an qui besoin président, qui besoin vin chef nan pays yo, ou ap gade c'est yo même dans le départ qui signé, yo signé pour qui ça pour Blanc ka vini pour force multinationale te débarquer dans pays yo. Juin juillet quoi premier troupe Kenya yo déployé et pour qui résultat jusqu'à présent, jou nan moment n'a parlé a c'est toujours insécurité, c'est toujours gang kap taye banda. Mais yo entend yo yo entend yo parce que yo pas vle pouvoir nan mais équipe Guy Philippe yo pas vle Guy Philippe gen pouvoir préférer c'est yo gen pouvoir tout moun ki te adversaire farouche Ariel tout moun ki te contre façon Ariel t'a mené pouvoir et même contre allié Ariel yo koun yo pral di comment li facile li easy pour nous tout nèg sa yo mete tête ensemble yo chita qui est sous même tabac qui est André Michel. André Michel yo te considéré comme farouche adversaire yo sou Ariel Henry, mais yo 40 ans yo jounen jodi yo. Yo pa entend yo pou peyi yo. Parce que nous pa wè ki sa peyi an bénéficier. Yo entend yo pou yo, yo entend yo pou intérêt personnel yo, pou intérêt mesquin yo. Ça s'arrête là. Donc, appel pou Blanc vin foure bouche, pou Blanc vin bay lòd, pou Blanc vin trase grand ligne yo, c'est pas Blanc kan y kantre. C'est yo kre le Blanc. C'est yo k solisite Blanc. Et c'est pas ni hier ni jodi bagay sa répété c'est pas ni hier ni jodi yo ap alerté opinion publique là sous nécessité qui gagne pour prendre distance avec abolotcho politique mais mas peuple pour que j'aime ka comprendre ni gen 25 ans de cela depuis Leslie Maniga te gen tant wè formule qui a pas appliqué par bon côté classe politique là mi t'a dénoncé yo mais 25 ans après rien n'a changé pas rien changé non. Si Marie pas monter, si Marie pas descendre. On continue. Là maintenant, en 1999, est-ce que quand même le professeur Maniga ou du moins d'autres dirigeants politiques en mesure pour traiter d'égal à égal avec l'étranger? Mais écoutez, c'est l'heure de vouloir traiter d'égal à égal avec l'étranger. Nous sommes un petit pays. Il y a des grandes puissances qui ont tous les moyens. Parlons en termes réalistes. Le principe juridique de l'égalité des États, qui est le principe fondamental du droit de l'international public, ce principe ne va pas à l'encontre d'une réalité concrète dans laquelle se fait la politique, à savoir l'inégalité de puissance. Nous sommes un petit pays, mais c'est parce que nous sommes un petit pays, un junior partner, comme j'aime dire à la manière américaine, que nous devons être absents des missionnaires en ce qui concerne l'intérêt national haïtien. Il y a moyen de promouvoir, de préserver, de défendre l'intérêt national dans la convivialité internationale, en sachant simplement que nous avons des limitations qui viennent de notre taille, mais que nous devons nous-mêmes efforcer, comme je le dis depuis 1970, dans un article de la revue française de sciences politiques, où on me demandait quel est le rôle des petits pays dans ces conditions. Je dis élargir le
le plus loin possible sa marge de manœuvre. Soyons réalistes, nous n'avons pas une liberté de manœuvre, c'est pas vrai. Mais nous pouvons essayer d'élargir le plus possible notre champ de manœuvre jusqu'aux limites du possible. Parce qu'au-delà, nous entrons dans quelque chose qui est contraire à l'intérêt national. Quand on vous frappera, on vous sanctionnera, on vous isolera, on vous donnera un embargo qui tue vos structures de production, etc. etc. Mais d'après vous-même, professeur Maniga, et pays d'Haïti, sous échiquier international là, qui position l'État doit gagner, non seulement sur le plan économique, consommateur et de biens et de services, ou du moins un petit pays qui est capable de choisir des filières, etc., pour défendre sur le plan économique et sur le plan politique, quelle diplomatie aussi. Mais écoutez bien, mes amis, c'est pas parce que nous pitié que nous, et nous pauvres là, que nous ne devons pas payer droit. Exactement. Nous avons battu un petit pays tout petit. Nous plâmez-nous. Et vous, nous avons battu un autre lieu que nous. Tout petit pays anglais, il n'y a pas vaut le quart d'Haïti au point de vue superficie, population, etc. Mais écoutez, son l'autre tenue, son l'autre dignité, son l'autre sens de l'intérêt public et de l'intérêt national. Comprenez bien, nous prenons prétexte que nous pitié pour quitter mon fait ça avec nous. Yes. Mais c'est pas possible. Mais non, ben elle n'a pas posé en ces termes du tout. Faut te paraître à orgueil. Faut te paraître même avec une pointe de leadership historique. On s'est là à nous prendre, on a dit pour le produit national brut nous c'est tant, nous n'en misère, nous besoin d'aide, tant pour aide humanitaire pour nous, c'est-à-dire en position dégradée, en position de demandeur humiliant. Donc nous pas même comprendre un jeu conférencier. Mais non, c'est ça ma petite là, oui. L'homme de qui place Haïti a. Place Haïti a dépend de ça ici a fait. Yes. D'abord de l'image pays a. Donc comment nous présenter pays a. Parce que l'homme haïtien campé à l'étranger avec prestige et dignité, qui ça descend ni pays il y a du haut, sans quoi là, et sous tes beaucoup ça, comment pays là t'as fait un état ça? Donc c'est pays qui descend nous, pas pour un bagage. Donc d'abord, faut mettre pays sous pied pour pays à permettre que dignité, mais d'autre part, faut que sans dignité à tout. Eh oui, faut qu'on nous compte. Oh, mon Dieu, qu'on ne pas compte. C'est ça qui faut qu'on en sait moins. Son appréciation, mon Dieu, gagne eux-mêmes, que pas vont rien. Pour qu'ils savent que c'est étranger que fait eux. Pas oublier ça, c'est très bien que fait. C'est toujours très bien que mène. C'est 3 milliards de dollars, 23 000 hommes de troupes qui mènent au pouvoir. Donc, je connais pas rien vraiment. Alors, là, essayez. Ou quand l'homme ne connaît pas rien, l'humilier, de temps en temps, il faut. Alors, ça dit, c'est quand un chien. La vie m'a donné. Il ne pas mettre, mais cependant, il est capable de japper. Les j'appelle comme font peu. Alors, tous les autres font un petit geste vis-à-vis des étrangers. Ah, nous pas reste à monde. Ah, nous pas camarades monde. Ah, nous t'es victime du 19e siècle, c'est monde qui tue nous, etc. Deux, trois petits bagages, des petites déclarations qui t'a sans sous te gagné tout en position constante de dignité, de fierté. Mais elle n'a pas sens l'en faire parce que tout le monde connaît que Yannick sous-sous. Et puis, on connaît tout doucement. Tu vois, là, il faut qu'on faut aller. Là, il faut de faire le bagage. Faut aller. Mais si on te dit, il pas fait, pas m'en bas exemple. C'est eux-mêmes qui dépend. Position, il va faire privatisation. Il y a anti-néolibéral. C'est doctrinio, c'est théorio. Qui moun qui fait privatisation dans le pays et dans de mauvaises conditions jusqu'ici? Qui moun qui a profité de retard élection en mars pour en décembre faire passer projet privatisation pour essayer de réconcilier la communauté internationale? C'est eux-mêmes qui étaient anti-néolibéral là, mais c'est eux qui ont bradé l'intérêt public avec les privatisations mal étudiées, mal faites, qui sont mauvaises pour le pays demain, hypothèque pour le pays. Ou bien, tu as pris dette vis-à-vis d'étrangers pour faire route qui n'est pas faite. Gardez route titanien et Cité Soleil là, c'est une honte. C'est une honte. Gardez route qui prend le plateau central là. nouvelle route là. Il est bloqué, il va continuer. Gardez route du sud là, l'argent vient de dépenser moitié pas fait. Comprenez bien, tout ça, mon y a fait. L'igonci négatif pour intérêt national, pour intérêt pays, pour intérêt peuple. Alors, et professeur Maniga, et qui place nous justement à jouer dans le troisième millénaire là, puisque c'est le développement des communications, des moyens, etc., des moyens de transport et tout. Donc, mais qui situation Haïti? Si nous pas changer, et c'est la raison pour laquelle nous avons goûté nous-mêmes, c'est pour changement véritable. Si nous pas redonner ces situations, nous déjà foutus, nous déjà perdus. Parce qu'il y a des domaines déjà c'est pas très difficile pour récupérer une position d'intérêt national. Parce que nous faisons bailler déjà, nous faisons aller déjà. Et il y a des gaspillages qui fait, des gabegies qui fait, qui entament ça nous te gagne comme ressources naturelles dans le pays. Comprenez bien, si nous continuons à aller jeune braléa, nous foutus. Nous ratons rien. Nous sur le point de rater train. Train après train en quai et nous pouvons prêts pour nous monter dans le train. Faut nous préparer nous vite. Là, nous avons besoin de délai. Nous besoin de délai et puis nous pas faire rien. Ça fait nous préparer par exemple pour faire l'élection. Ils ont envoyé en mars. Ça dit nous qu'en mars après.
Et si vous n'avez pas pris en masse, vous n'avez pas nous coup au seul vide général là. Comprenez bien, où un problème là qui est important. Haïtien, où est problème non, il pas résoudre. Il y a urgence là, il croise les bras. Pays a besoin de changement. Pays, pas plat, dit le 83, je dis à l'pire, moi-même, je crois, très honnêtement. Chaque fois, nous disons, ça ne va pas le pire, là, le plus mal. Même quoi, très honnêtement, quand nous arrivons à un stade, côté, si nous pas changé, je ne vais pas devenir. Voilà. 25 ans de cela. 25 ans de cela, Maniga a dénoncé même mauvaise pratique, nèg qui a volé comme bout, nèg qui a gagné des décisions politiques dans les internationales, et dirigeant qui a pris dictat, comprendre qui a respecté et à la lettre dictat international, qui a respecté l'ordre étranger, qui a pris l'ordre dans même blanc. 25 ans de cela, c'est même bagaille ça a dénoncé. 25 ans après, rien n'est pas changé. C'est toujours même pratique. C'est pas politique. C'est pas une politique d'intérêt général, mais son politique personnelle. Son politique, autre que je m'y mette. Son politique retirée, puis bon, mette pas. Son politique, comment m'bra le riche, comment m'bra l'acheter un bel caille, comment m'bra le voyager, comment m'bra le faire quoi, etc. C'est politique ça. Et c'est ça que mette nous là. Est-ce que nous cadons son pi bas toujours? Est-ce que nous pas toucher le fond? Est-ce que nous avons possibilité pour nous changer de situation? Oui. Jean-Maniga te dit dans le commencement, changement paysan, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de chaque haïtien. C'est ou même, c'est lui même, c'est nous même, c'est nous tout ensemble. C'est nous tout ensemble qui pour prendre responsabilité nous, qui pour prendre engagement commun, qui pour gagner sens de fraternité, hein? Qui pour gagner sens d'unité, hein? Pour nous faire union nationale, c'est pas conférence nationale dans les nègres à parler dans CPT, dans le gouvernement, non? Pour nous chita entre haïtiens, pour nous dire, voilà, nous pas qu'à continuer à payer nous comme ça. Non 10 ans pays a pas qu'à les mêmes gens. Non 5 ans pays a pas qu'à descendre plus bas que Jean lié à là. Gros bagaille qui l'ont fait. Gros bagaille qui doit fait. Et franchement, son honte nationale, l'on a regardé, non qui sa acteur politique yon mette pays en journée jodi. Son honte nationale. Et c'est ça que fait moi-même toujours un médil. Et c'est engagement PAM en tant qu'haïtienne, en tant que citoyen engagé dans la bataille pour changement pays. Mwen. Tout ça qui vient pour avec avancement pays, moi-même la donne. Donc, année ça, nous avons plusieurs activités. Depuis ces questions pays, nous toujours entreprenons. Et année ça encore, pour réouverture des classes, nous avons lancé projet pour nous supporter les gens qui ont gagné pour être à l'école. Et vraiment, je suis content et réalisation projet, je suis content de gens qui satisfait, je suis content de parents vraiment qui satisfait, de gens qui satisfait et équipe Agronome Cosmos qui te répond favorablement, qui ont même fait prise en charge pour yo te vini gérer moun yo et pour yo te aider dans distribution an. Et je suis vraiment content que nous te rivé et supporter élèves lycée Malfetti yo qui te gen bien longtemps yo t'a travaillé sur canal là. Depuis en novembre 2023, nous connaissons sacré l'éducation et c'est toujours à quel contact des bras ouverts pour nous supporter parents et petits mounes. Même là, nous connaissons une triste réalité dans le pays, à côté, c'est petit par petit par l'école appauvrie, mais ça n'a pas empêché que nous pensions avec mounes dans ce moment ça. Et ma première, c'est chaque ami qui te comprend l'importance du projet, qui te comprend la nécessité pour te supporter dans la façon par yo. Donc, m'a invité nous pour nous suivre ensemble avec qui Jean projet si là lui-même l'étape déroulé. On nous a regardé ensemble. C'est tout le monde qui est présent là, qu'on a nous dit, on propose la bonne tour. Bonsoir. Et moi, c'est gardez-les à nous. Ok, je pense que vous avez quelque chose. Ok. Moi, je présente nous un monde. Mais il y a une équipe. Et avant de présenter nous, je demande à nous, si nous avons un grand monde qui est là, battez un gros bravo bien fort comme. Ça ne fait pas loi. Avant de présenter nous, je vais parler de ça, nous avons fait avant. Et après, je vais demander à nous, après ça, nous battons un gros bravo. Moun sa m'a présenté nous là, canal a commencé 1er novembre 2023. 4 novembre, mon samedi, il est débarqué sur nous. Il semble que regardé ça dans la vidéo et puis il est débarqué. 1er, il est débarqué 3 piques.
3 bourrettes, 10 pelles pour canal là, c'est Mounsa qui va représenter nous. Après, chaque 8 jours, chaque 15 jours, pendant tout le journaliste, allez, voilà, je ne vais pas même passer dans le deuxième canal là. Mais lui qui est là, chaque 8 jours, chaque 15 jours, pour de l'argent, pour de manger, pour nous. Pour nous là, on a boumé, on a boumé, on a boumé, on a boumé. Nous voulons faire 1 km, nous voulons faire 1 km, grâce à vous, nous toujours. Ah, il dit, ah, le gouvernement descend. Ils viennent nous poser provision pour nous manger et puis ils disent ça. J'avais là et là, chaque année nous prenons organisé le 1er janvier, oui, côté que nous baillons soupe pour toute plante, nous nous donnons, pour qu'on puisse réconcilier ensemble au bois soupe. Mais le 1er janvier, nous connaissons tous ces fêtes de l'indépendance. Et puis nous nous disons, pour raison ça, il faut faire des marchands d'argent, la fin avec le devant nous, pour nous organiser une soupe pour tout le monde qui a pu être dans le canal là, qui a besoin de soupe au bois. Nous devons jouer, nous sommes peut-être dans le canal là, oui ou bien non? Oui! Écoutez, en haut, ok. Même nous avons le moyen de faire au moins 6 à 7 choses. Il y a soupe? Vous frappez, nous devons. Ok. Après, puis là, nous avons vu la moyen. Chaque fois, nous avons vu la moyen, nous avons vu la moyen. On ne va pas, moi, je viens d'avoir, on te réassit? Simon! Ah, si je dis à tout le monde, 2000 sacs Simon. Dans le dépôt canal là, c'est même nous avons équipe. Oh, quand ça m'a été, on m'a mis pas, il dit, ah, va nous faire pour maman. Et puis, il me dit, eh, maintenant, vous avez fait la maman. Je dis, je remets, madame, j'ai avec une organisation qui est AFPB, et puis, ils ont organisé, ils ont fait pour maman. Côté 200 mamans de juin, cadeau. Même mon nom, toujours. Et je dis, avant, entre l'école là, ils disent, chercher 100 petits mounes. Ok? À parents pour venir recevoir big avec Kai. C'est ça que tu dis? Oui. Nous sommes. Pas comme nous ne dis pas. Et pourtant, gardez à nous. Est-ce que nous comprenons? Oui. Ok. Pour raison ça, demandez-nous pour nous. Pendant ma présence, madame Yannick. Mais vous. On a chassé, nous n'avons pas de bravo. On a demandé, nous pour nous battre de bravo. Plus fort, bravo. Ça veut dire, depuis au troisième jour, si nous avons pour nous pousser, poser de l'eau, pour chercher bois, maintenant, le canal là, c'est grâce à madame Yannick. Père, nous avons pour être dans mon monde, quatrième ou cinquième jour, nous allons pour être faire encore, grâce à madame Yannick. Pas pour l'argent, il faut des nous pour faire manger, ça au plus que ça nous dit. Ya. Pour raison ça encore. Mes amis, l'autre fois, on va bravo. Merci. Bon, je m'en vais, la salle avec plus pour profiter de l'occasion pour parler avec nous. Et après, même si nous sommes chaque monde nous relève, nous prenons une fois. Merci. Merci, Agonome Cosmos. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment nous y est? M'espérez nous en forme et je dis à nous là une occasion tout à fait spéciale. Côté que pour réouverture des classes, nous connaissons l'école et l'école là, l'arrivée sous nous. Situation pays en pas fin trop correct. Et chaque année, nous gagnons un projet rentrée des classes que nous toujours fait. Et année ça, nous dit. Au lieu mal en l'autre côté, m déjà, moun mal fait si déjà adopté, Agonome Cosmos déjà adopté moi. Bon pote projet rentrer des classes pour communauté mal fait. Et vraiment, avec équipe là, nous garder, nous analyser bagayo. Et m gen équipe solide bam qui toujours campé derrière moi, qui dans diaspora, qui dit Yannick, nous praler mal fait. Et je dis en nous là. Mais avant nous délivrer qui tu li important, pour me faire un petit parler avec nous sur l'importance de l'éducation. Et surtout, nous, un pays comme Haïti. Pas vrai? Nous ne parlons pas comment le pays a dégringolé. Et pas politiquement, nous allons le faire. Mais nous allons parler de pays et brièvement. Parce que et, je n'ai pas regardé chaque jour les conditions paysans, les choses plus difficiles. Et depuis le petit monde, nous toujours des grands-parents, maman, grand-mère, je toujours dit petit monde aujourd'hui, grand monde demain. Donc, si depuis à la base, tout petit, nous investissons dans les gens, nous encadrons, nous faisons sacrifice pour nous voir l'école, nous accompagnons, c'est sûr que nous avons un bon citoyen demain. Est-ce que le patap important pour payer nous,
former un paquet de bons citoyens, m'a regardé ti moun yo là, un paquet de bons citoyens pour demain, pas vrai? Oui. Donc nous dit que nous pas là pour nous remplacer l'état, c'est vrai, parce que c'est job l'état pour accompagner ti moun yo, pour mettre l'école gratis, pour subventionner parents yo. Mais j'en ou a bagay yo difficile. Nous dit faut que nous accompagner parents yo année ça encore. Année dernière nous t'ai dans canal KPK dans Wanamet côté nous t'ai distribuer kit yo. Donc année ça nous là. Nous là pour nous continuer faire travail là parce que nous vinn comprendre importance le ti moun yo à l'école. Le gagner professeur yo qui a formé ti moun yo, yo ka vinn yon bon citoyen demain pour yo apprendre yo remè pays yo, pour yo apprendre yo mais ça qui bien mais ça qui mal et pour ti moun yo ka comprendre importance pour yo goumé pour pays yo. Ça qui vraiment important, ça nous juge qui important, c'est former ti moun yo, surtout journée jodi avec question délinquance juvénile là Gonom Cosmos. Lò ti moun yo rete chita, yo pa l'école, n'importe bagay ka arrivé. Donc si nous encourager parents yo, nous ba un coup de booster, nous dit bon année an an kit sa yo ki la et m'a tout di moun yo ça. Gagne Beglan, dans Beglan, gagne entre 5 et 6 cahiers, gagne qui gagne plus même, gagne plume, gagne crayon, gagne boîte géométrie, gagne savon, gagne déodorant. Et puis nous gagne classe tout nous porter. Donc c'est participation par nous et anéant et pour communauté malfaitien pour nous bail en coup de main. Donc m'pap kembe yo plus, m'pap kembe ti moun yo plus parce que chaleur a li extrêmement, il fait extrêmement chaud. Donc déjà m'a dit tout moun et bienvenue, m'espérer nous ap satisfait de contribution nous porter pour nous. Nan cadeau madame nan fait nous déjà. M'te vle quitter yon an dernier. Ki cadeau lié? Nous pas voir anti bail tout rouge qui qu'on a courir sur la ria qui marqué KPR là-dedans. Eh ben c'est grâce à madame là qui voit que nous besoin Benoît bail ça. OK. Qui voit que nous besoin pour prendre matériel ou bien matériaux que nous gagne dans dépôt pour aller avec lui. J'ai ça au dans tête là, ça t'a coûté nous en pile l'argent. C'est grâce à madame là par l'intermédiaire de moun ka supporte lui et équipe lui qui fait nous cadeau moto 3 roues là. Moto 3 roues là, m'a tout dit nous ça. Quel que soit moun pas venir demander nous prêter pour aller chercher du riche à l'opin. Pas demander nous prêter pour aller prendre bon diline. Mais si on moun malade, c'est moto à qui bon la vie, il te met à 1h du matin, 2h du matin, vin poil. Mais il pas là pour faire travail personnel. Tout autant travail canal là pour encore fini. En attendant de moi non. Moto toi là-bas là pour faire travail personnel. Tout autant travail canal là pour encore fini. Mais si on a un problème la nuit, on a besoin de moto ça pour qu'il sauve et mener l'hôpital rapide. Ok, nous t'en quoi ça mes amis. Pour qu'un monde batte, on vient prendre moto ça pour aider on dirige à l'opé. Tant pis s'il vous plaît. Vient prendre moto ça pour aider on charbon mairie. Non. Tandis que vous avez un problème la nuit, si vous avez un problème, il faut appeler. Vous allez être chargé pour aller débarquer et mener l'hôpital. Ok? Merci un peu pour la compréhension. En tout cas, maman, donnez-nous un gros bravo encore pour moto 3 roues là. Pour l'équipe Piwoa, pour descendre. Nous, quand ça veut dire, nous allons aller à l'enquête pour mon repos et puis nous descendons. Malheureux. Ok? Même si c'est atteint tout toutes quartiers dans ma petite et à bénéficier de l'histoire. Même là, c'est 100 personnes liées. Mais quand c'est des gens malfaits, tout le monde va jouer. Ok, allez, on va commencer, mes amis. On demandé pour Pierre Mimoz. Passez. Pendant Pierre Mimoz a passé, Baya Lydia a chauffé Jarrette. Oui.
na not Israël. Ou remet pays ou, et bien on agit. Mon éditorial, entre désespoir, de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial, c'est tout. Mon éditorial, et bien sur mon éditorial, je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique comme dans les pays d'Haïti. Mon éditorial, sauf si nous dit pour vivre votre petit depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial, nous bras la balle épée, nous bras le débat. Même Yannick l'en même voix. Oh yeah.